Depuis le passage en force, il y a de la mobilisation, il y a des blocages, les grèves ont repris, l'énergie est en reconductible, les barrages sont bloqués, le rail repart, les métros sont fermés à Paris, la grève se structure et il y a un appel massif à un blocage total du pays jeudi et on continue jusqu'à la victoire. Oui ! Malgré les millions de manifestants dans la rue, le gouvernement continue d'ignorer les 90% des actifs opposés à cette contre-réforme. Face à ce déni de la démocratie, la question de la grève se pose plus que jamais dans le pays. Il ne faut pas laisser certains secteurs comme la chimie, les cheminots, l'énergie, seuls à la pointe du combat. La lutte est l'affaire de toutes et de tous. C'est aux travailleurs et aux travailleuses de chaque secteur de se coordonner et de décider en assemblée générale et dans l'unité de l'amplification du mouvement jusqu'au retrait. Sans attendre la journée de mobilisation nationale, prenons partout des initiatives pour amplifier le mouvement. D'ores et déjà, des assemblées de secteurs en lutte sont programmées. La maison des syndicats est ouverte à tous, tous les jours. Jeudi, 8h30, la jeunesse va ouvrir la rue et les manifestations. 8h30, rendez-vous à l'Agora pour une manifestation de la jeunesse. 14h, rendez-vous à Ponson pour bloquer la France jusqu'au retrait. On lâche rien. Tenez-vous informés. Mercredi, surprise, tenez-vous informés. Jeudi, surprise, tenez-vous informés. Surprise partout. Après, la grève. 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 Parce que c'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans le salon qu'on obtiendra satisfaction, c'est par la grève et par l'action. Et c'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans le salon qu'on obtiendra satisfaction. On est bien protégé, hein. On est bien protégé. Ah, franchement, il y a trois pour tout le monde.
Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous.